Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Periado. On se retrouve en compagnie du Surge Paladin Mecha qu'on débloque au rang 70. J'ai le skin et je me suis dit, bah, pourquoi pas, là j'ai bientôt déménagé, du coup faut que je fasse des vidéos en réserve pour pas être quand même inactif. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un BO5, ça fait longtemps que j'ai pas fait un BO5. Le skin est magnifique, j'ai envie de faire un BO5. BO5 ça veut dire 5 matchs, donc en Razzia GM, Survivant, Brawl Ball, Prime et Braquage, avec ce fameux skin. Et si on perd un match, on achète un skin. Si on perd deux matchs, on achète deux skins, etc., etc. Je pense que vous avez compris le concept. On part sur Razzia Gem. J'espère que ça va bien se passer avec notre Surge. J'ai fait le marathon star ce matin qui s'est plutôt bien passé. Je fais deux victoires, une défaite. Et j'étais avec Poco d'ailleurs. Et là, on part sur la Razzia Gem en espérant que ça se passe bien. Et surtout pas tomber avec des merdes. C'est surtout ça le truc. Et puis c'est parti. Ok, ça va, ils sont actifs déjà. Maintenant, il faut que je feed mon surge à tout prix. Si on le feed bien, faut monter le plus possible. Faut monter le plus possible. Dès qu'on monte, normalement, le surge, après, ça passe bien. Mais si on ne le monte pas, ça va être compliqué pour nous. Donc là, on va essayer de ne pas mourir. Si on meurt, on est dans la merde. Clairement, on est dans la merde. Là, faut surtout pas mourir. Donc on va régénérer tranquillement. Et le but, c'est de prendre des dégâts un peu partout. Voilà. Ouais, ah, j'ai été sûr qu'il allait venir chez nous. Là, faut monter au moins rang 4, du coup. Hein. Rang 4. On monte rang 4 et normalement, voilà, parfait. Et là, on peut jouer proprement maintenant. Par contre, le Nita, il a cru que j'avais pas vu ou ça se passe comment? Il a vraiment cru que j'avais pas vu. On va régène là parce que je suis pas sûr et certain que ça va bien se passer. On va laisser le Nita venir. Par contre, le Dynamite qui joue pas, Naruto, s'il te plaît. Merci. Le Nita, il est là-bas. Ok. On l'a vu, Nita, on l'a très bien vu. Je sais qu'il y a Poco ici. Là, il est à un coup de nous tuer, donc on va se calmer. Ouais, il passe par en bas. Non, il passe par là, c'est bon. Ah, on a 9 gemmes, on a 9 gemmes. Par contre, comme c'est... Ah, c'est une bulle qu'il a. Ouais, je suis pas fou du bulle, quoi. S'il peut venir nous aider, parce que j'ai pas envie de mourir non plus. Voilà. Il est au bulle. Il bouge même plus, bulle. Ah, mais c'est moi qui ai les 4. Je me disais, mais ils étaient passés où? Hop, c'est bon, franchement on a géré avec notre surge. Hein. Oh, on a géré de ouf. Hein. Ah ouais, franchement, easy. Franchement, premier combat là, easy. Si on peut le monter rang 15, franchement, ça serait cool. Hein. Comme ça, on a un peu des. Bah, du coup, des points stars. Je pense que le solo, survivant solo, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut le feed. Et le feed, c'est archi compliqué surge en survivant solo. En survivant duo, ça passe, mais en survivant solo, c'est super dur de le feed. Du coup, bah c'est parti pour le feed. Hein. Ok, on a un ricochet ici. Faut que je prenne les dégâts avant qu'il s'envole. Je suis pas arrivé. Ok, ça va être très compliqué pour nous. Tant que je l'ai pas feed au moins pouvoir 3, c'est être impossible. Le feed, c'est juste avoir son super. Depuis, je parle comme ça, mais si vous ne savez même pas. C'est juste avoir son super pouvoir 3. Donc, faut le monter un maximum. Est-ce que, Jackie, tu peux venir avec nous, s'il te plaît? Viens participer à la fête, Jackie. Parce que Nani... Il est beaucoup trop loin et du coup ça serait impossible pour nous. Malheureusement Gaël il a une portée beaucoup trop loin aussi. Ouais, le mieux ça serait d'avoir un bulle ou quoi à côté de nous. Mais bon, avoir un bulle à côté de soi, c'est pas hyper pratique non plus quoi. Yes, pouvoir 2. Pouvoir 2, on néglige pas. Maintenant, faut le pouvoir 3. Ok. On est pouvoir 2 là. Pouvoir 3, parfait. Là, pouvoir 3, on devient pas invincible, mais presque invincible. Parce qu'on a une portée assez longue, qui peut faire suffisamment de dégâts. Maintenant, faut pouvoir assurer. Et si on peut le passer pouvoir 4, pour avoir le pattern, ça serait plutôt cool. Maintenant, il faut le passer pouvoir 4. Yes, on a pris un dégât. Oh, mais c'est un bar tabac en plus, c'est bon. Allez, viens, bar tabac. On va essayer de... Ah, mais il reste deux brawlers encore. Par contre, le max, il a l'air de nous faire chier. Ok, faut anticiper de ouf. On va essayer de se concentrer un minimum. C'est un Wally. Parfait, Wally. C'est nickel ça. Oh non. Oh, j'ai hyper mal géré. Ok, on a 4 Power Cube. Donc, oh, c'est Bartaba. Parfait. Ça nous arrange que ce soit Bartaba. Par contre, ça nous arrange, mais s'il joue bien comme ça. Enfin, il joue pas hyper bien, mais ça va être compliqué pour nous. Là, faut que je fasse le contour. Bon, et là, il va avoir son super. Voilà, allez, utilise son super. À moins qu'il attende de l'utiliser. Ouais, bon, c'était obligé, voilà. Yes. Il nous en manque... Bah, attendez, on va faire ça déjà.
Voilà, là, on a le Surge Paladin Mecha. Franchement, il est stylé. Hein. Regardez son skin, il est méga stylé, je trouve. C'est bon. On fait top 1 en plus. On fait top 1, c'est nickel ça. Pour le moment, on gère de ouf avec Surge. Et en plus, son skin, mais il est beaucoup trop stylé. Franchement, c'est mon skin préféré en ce moment. En tout cas, en ce moment. On va voir. Si j'en perds un, je pense vraiment j'achète le Nani Rétro. Il n'est pas dans la boutique, mais le Nani Rétro, j'aimerais bien le prendre en vrai. Je pense que vous voyez de quoi je parle de toute façon. On va prendre le Brawl Ball. On prend le Brawl Ball. Brawl Ball, ça va être un peu chaud aussi, je pense. Parce qu'on n'a pas le temps de charger son super. Dès qu'on marque, ça redevient à zéro. Donc Brawl Ball avec Surge, c'est pas l'idéal. Hein. Vraiment pas l'idéal. En plus, il y a une Penny. Je sais qu'il y a. C'est quoi ici? C'est un. Ouais, c'était un Mortis. Hop. La Billy. Ok. Oh! On a eu plutôt chaud. Là, on est rang 3. Donc là, faut surtout pas mourir. Si on meurt, bah, on est mort. Là, faut surtout pas mourir. Eh, mais la Tara, faudrait qu'elle joue. Hein. Tara, je la kiffe. Hein. Mais si elle joue pas, la Tara. On va monter. Oh non, c'est Billy. Pourquoi il y a Billy ici? Hop là. Et j'étais obligé de me sacrifier. J'étais obligé de me sacrifier. Atara, elle jouait même pas. Si Atara jouait, franchement, non, on aurait fait un coup de génie. Mais sans Atara, là, c'était impossible. Et ah ouais, il y a la Penny, là. Nani prend des dégâts bêtement. Hein. Ça va être chaud, ça. Ça va être très compliqué pour nous. On va faire ça. Hein. On va casser la tourelle parce que la tourelle, c'est pas le plus chiant, mais voilà quoi. Oh putain, le Mortis. Bon, au moins, on feed. On feed. Mais le Nani joue pas aussi. Ça, c'est casse-couille. Hein. Ça, c'est les Russes, mais je déteste ces Russes-là. C'est pas possible. Jit, vas-y, on va faire ça. Hein. Voilà, au moins on la feed en même temps. Merci, Mortis. Voilà, pouvoir 3, ça c'est parfait. On redonne au Nani. Comme ça, on peut monter tranquillement. Et là, on peut faire un masse de dégâts. J'ai auto-shoot comme un Mongol, alors j'aurais jamais dû auto-shoot. Hop! On a esquivé son attaque, je crois, en plus, non? J'ai l'impression qu'on a esquivé son attaque, mais c'est qu'une impression, il me semble. On va régène, on va régène. On va pas faire n'importe quoi. Au moins régène à 2000, là, parce que c'est pas assez sinon. Ah ouais, là, c'est compliqué. Oui! Ouh! On a eu chaud. Là, c'est bon, il est au pouvoir max. Normalement, il peut rien nous arriver. Faut juste assurer juste après, quoi. Si on assure bien. Ok. Normalement, ça passe. Yes! Ouh! On a eu très très chaud quand même. Hein. 14 secondes à la fin. Maintenant, faut juste être en max en défensif. Et normalement, ça devrait bien se passer pour nous. J'espère en tout cas, parce que là, on a plutôt bien assuré le match. C'est bon, on a gagné. Ouais, ils iront jamais au cash comme ça. Oh! On a plutôt bien assuré le Brawl Ball. Franchement, le Brawl Ball, c'est le seul domaine, on va dire. Je sais pas comment appeler ça. Seul mode, voilà. Où j'avais un peu des doutes si on réussissait ou pas. Mais on a plutôt bien réussi. On a bientôt les 100 points en plus, ça c'est pratique tout ça. Plutôt pratique. Le Prime, c'est mon mode préféré, donc on va le garder pour la fin. On part sur le braquage. Braquage avec Surge, je ne sais pas ce que ça peut donner. Il faut surtout pas mourir, quoi, comme d'hab. Hein. Mais le Prime, c'est trop bien avec Surge. C'est vraiment le mode préféré avec Surge. Et quoi qu'avec même tous les brawlers. Hein. Juste le problème, c'est ici, où on prend des dégâts un peu pour rien. Ok, on l'a très bien vu le Mortis. Et normalement, il est là, voilà. On va se faire un peu des dégâts. Ah merde, j'ai immunisé. Et ouais, faut le feed à tout prix là. Bon, rang 2, c'est déjà ça. On l'a vu, mais nous, oh, celui qui est en bas, je parle. On l'a vu très bien vu, mais là, faut juste se feed comme ça. Du coup, je me feed. Voilà. On passe rang 3, 70%. Hop. Ouais, le Morty, j'ai un peu peur parce qu'il se déplace tellement vite que j'ai peur qu'il nous fasse trop de dégâts. J'aimerais pas perdre ce que j'ai là. Ouais, là-bas, je suis mort. Oh putain, il y a 70-72, hein. C'est vraiment très très serré. C'est hyper serré là. Oh le Mortis. Oh, on a bien géré le Mortis. On a très bien géré le Mortis. Il y a 63. Donc là, il faudrait plutôt être en défense. Donc on va régénérer un maximum. Et eux, ils bougent pas. Donc ça, c'est bénéf pour nous.
Hop, on refait la même amortisse. Et là, on va régène, hein. On va régène. Normalement, on est plutôt bien, donc... Vaut mieux régène, hop. Comme ça, je passe pouvoir 4. Ici, il y a le PAM. PAM, on peut le défoncer. Voilà, et là, on va tout sur le coffre. Normalement, le coffre, on le gère plutôt bien. Si... C'est qui nous fait des dégâts? Il y a... Ah, ça doit être Mortis. Mon Mortis, normalement, on doit plutôt bien le gérer. Hop. Voilà, on fait la même technique. Il nous reste plus que 30 secondes, faut surtout pas mourir. On va essayer de faire des dégâts et au pire, on peut mourir. Ouais, normalement, c'est bon. Ah, mais il y a Colt, là. Mais il meurt, il... Oh putain, mais on perd. Ah non, non, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on perdait. Attendez, là, c'est des trucs crise cardiaque. Je vais rester en défense, je pense, parce que là, j'ai pas envie de mourir. Voilà, pam, c'est bon. Oula, il reste plus beaucoup. Faut surtout pas... Faut pas descendre en dessous des 27%. On a eu très très chaud quand même. On a eu vraiment très très chaud. Heureusement, ça passe. On passe rang 15 en plus. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et on a bientôt fini ce BO5. Il n'en reste plus que le Prime avec Surge. Normalement, ça devrait bien se passer. On passe presque au 13 500. J'ai ouvert la méga boîte au fait. J'ai ouvert la méga boîte sans faire exprès. Je vous mets l'extrait maintenant. Mais j'ai ouvert la méga boîte. J'ai mis ce clic. Donc je me suis dégoûté. Mais bon. De toute façon, j'ai pas eu grand chose. Hein. Vous allez voir. Allez. On part. Là, normalement, Prime, c'est notre mode préféré. On doit pas se louper sur le Prime. On doit surtout pas se louper. C'est mon mode préféré. Si je dis que c'est mon mode préféré depuis tout à l'heure, c'est pas pour rien. Ok, il y a un Nani ici. Putain, on va pas perdre contre le Nani. Ok, il y a 3-6. On est avec des grosses merdes, là. Là, je suis un peu dégoûté. Oh non, je vais mourir. Oh non, je l'avais pas vu, le Tara. Par contre, on est en train de se faire défoncer alors que j'ai dit que c'était mon mode préféré. Ça va vraiment pas aller. En même temps, Karl Rosa, voilà quoi, c'est pas le meilleur duo non plus. Hein. Voilà, on a pris 1. Faut éviter de mourir. Ouais, on va prendre les dégâts sur le PAM. Rang 3, hop, ça c'est bon. Je sais qu'il y en a un ici. Mais ils y foncent comme n'importe quoi là. Là, ils font vraiment n'importe quoi, notre team. Il y a 10-16. On va régène. Parce que 4, c'est quand même pas négligeable, 4. Ok, Rosa, c'est plutôt cool, mais mon pote... Ok, on a 20. Ouh. Là, faut surtout pas mourir. Parce que si on meurt, pour creuser l'écart... Oh, on est dans la merde. Oh non, c'est le Nani en plus qui nous achote. Oula, ça va être très très serré. 20-27. Ça sent pas bon pour nous quand même. Hein. Ça sent vraiment pas bon pour nous. Ok, on va essayer de le bait. Allez, hop. Full feed à un moment ou à un autre. Oh, 20-29. Mais il meurt n'importe comment. Oh, heureusement, j'ai dit c'est mon mode préféré. Hein. Oh non, je voulais mettre ce super. Je suis pas arrivé. Si on avait le super, on faisait un dégât direct. Ouah, ça va être très très tendu pour nous. Ça va être très très tendu pour nous. 30-31. Oh non, on va pas perdre sur ça. Je serais dégoûté de perdre sur ça. Oh non. Non. 32, non. Il est mort. Non. On meurt sur n'importe quoi. Oh là, bah alors là, c'était la pire des morts. Bon, du coup, 4 victoires, une défaite. Sur un niveau, bon, on était avec des pas ouf. Du coup, Bulls football américain, non, on va pas prendre ça. Vous le saurez au prochain épisode, tout simplement. Gros suspense. Du coup, les amis, on se laisse ici. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire vos avis et vos envies. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve pour un nouveau BO5 très prochainement. Allez, bye bye les amis.